Amaya? Ben, je suis Amaya et je viens d'une ville à peu près grande comme ça. Et je crée des vêtements. Regardez. Chez moi, mes amis disent que je parle couramment fashion. Je vois des motifs et du tissu et j'en fais quelque chose de nouveau et à la mode. Ouais. Et je suis vraiment... Alors comme ça, c'est toi qui vas me remplacer? Tu sais, la chose gênante que je voulais éviter, ouais, c'était ça. Ok, les réglages sont faits, tout a l'air en ordre, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui devrait marcher? Je les ai toutes amenées ici comme tu voulais. Oui, ok. Donc, je sais que ça a été difficile pour vous et je vous jure que je n'étais pas du tout au courant que j'avais été admise pour remplacer Bella. Et je sais que c'est votre amie et elle est super talentueuse. J'ai bien vu les décors qu'elle crée, ce sont des merveilles. Et loin de moi, l'idée de la remplacer, je veux juste faire partie de l'équipe. Tu fais partie de l'équipe? Je sais, oui, mais je voudrais vraiment faire partie de l'équipe, pas juste en classe. Comme quand vous vous échangiez vos vêtements. C'est cool, je vous vois toutes si connectées entre vous. Mais je vois aussi que vous aimez échanger vos looks, c'est pour ça que Sunny vous a amené ici. Tu nous as fait venir pour échanger nos looks? Mieux que ça. Mettez ça et regardez ce qui se passe. Wow! Ça vous plaît? Cette transformation est légendaire. T'es brillante, je Amaya. Ça tout le temps. Tu sais quoi? Tu as grave assuré et ça, c'était super cool de ta part. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été cool avec toi à ton arrivée. Je sais, ton ami te manque. J'espère juste devenir ton ami moi aussi, c'est tout. Évidemment! On est toutes amies maintenant. Ouais, on se connaît à peine. Mais ouais, c'est sûr, ça va le faire. Premier selfie officiel du nouveau groupe. Venez toutes! Gigi! On va y arriver. J'ai l'habitude de relever ce genre de défi comme dans mon émission préférée, Projet Fashion. On dort pas, on se lave pas et ça le fera. Oh. On ne doit pas se disputer. Skyler a raison. C'est génial qu'on ait toutes plein d'idées. Parce qu'on est toutes uniques et talentueuses. Comme tous les élèves de Rainbow High, y compris les cheerleaders. Et ils ne doivent pas tous avoir le même look. Ils devraient tous avoir un look unique à mon avis. Tu devrais me choisir parce que je suis une fonceuse. Donne-moi une minute et je peux te dessiner trois versions de ce que je porte en ce moment pour le défilé. Regarde ça, tu comprends? Tiens, regarde ça. Non! Je l'ai! Tes livres. C'est trop gentil. Tu n'étais pas obligée de faire ça. T'inquiète. À plus tard. J'espère. Amaya, allô la lune, ici la Terre. Hein? T'as dit quelque chose? Je rêve ou t'es amoureuse de River Kendall, Amaya? Amaya aime River Kendall? Chut, non! D'ailleurs, je n'ai pas le temps d'aimer qui que ce soit. Notre défilé arrive à grands pas. Il faut que je me concentre dessus. Il faut que tu arrêtes de te faire du souci pour le défilé. Et nous aussi, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'on va tout t'aider et te soutenir pendant que tu demandes à River de sortir avec toi. De sortir avec moi? En tout cas, c'est ce que je ferai. Assure-toi bien qu'il n'a pas une petite amie avant. Tu exagères. Je sais qu'il est libre. Sans rire, vous croyez vraiment que je dois lui demander de sortir avec moi? Tu veux que moi, j'aille lui demander de sortir avec toi? Non! D'accord, je vais essayer. C'est une idée folle, mais je vais essayer. Tiens, est-ce que j'ai raté un de tes bouquins? Raté un de mes bouquins? C'est très drôle. Non, tu n'as rien raté. En fait, je dois y aller. C'était ridicule. T'inquiète, je vais t'aider. Je vais t'envoyer une vidéo. Apprends-la et retrouve-moi quand les cours seront finis. T'as juste à reproduire la chorégraphie et tu vas faire le buzz sur Internet. Tu vas être une star et River sera red dingue de toi. T'es prête? Je crois. Mais je suis pas une très bonne danseuse. T'es sûre que c'est une bonne idée? Allô, je vais la retoucher. On est toutes seules ici. Je garderai que les meilleures prises. C'est parti. Dance. Wow, trop la classe! River! Tout va bien? Oui, je vais bien. Trop bien! Je dois y aller. Prendre des cours de danse. Cette vidéo vaut de l'or! Je peux la mettre en ligne? Coucou. River?
Je suis trop désolée. J'arrête pas de faire tomber des choses quand t'es là. Je suis tellement gênée. Ça va, t'inquiète. C'est notre truc à nous maintenant. T'as décidé de changer de look ? Toujours. J'adore me teindre les cheveux selon mon humeur. Je crois que là, je vais faire rose, vert, turquoise. Ce qui signifie que je suis complètement à côté de la plaque. Sérieux ? Parce que moi, je trouve que t'as plutôt la tête sur les épaules. Moi ? Est-ce que tu me connais un peu ? Oui, je te connais. Et j'en suis bien content parce que t'es drôle et talentueuse. C'est pour ça que je rassemblais mon courage pour t'inviter à un rendez-vous. Tu... quoi ? Je veux dire, oui ! Enfin, si tu es en train de m'inviter, c'était une invitation ? C'était bien une invitation, oui. Cool ! Super cool ! Salut. River ? Ah. Bon. Répétition générale, le groupe de 10 heures. C'est l'heure de monter sur scène. Je voulais juste te voir avant que tu y ailles. Je sais que tu vas y arriver. J'espère. Souhaite-moi bonne chance. Les mots qu'on ne doit pas prononcer ! Ah, Maya ! On ne va jamais avoir le temps de retourner à la licorne ! Dieu de la mode ! Ayez pitié de nous ! Pas le temps de stresser, c'est à nous de jouer. Il faut que je rattrape le portant ! Non ! Non ! C'est tout notre travail ! Je veux pas voir ça ! Tout va bien ! Il s'est pas renversé ! Oh, génial ! Non ! Non ! Peinture fraîche ! Stella ! Le portant, arrête-le ! Je t'en supplie ! Oh, merci ! Ah ! Attention, le pinceau ! Oh ! Oh ! Je suis vraiment trop désolée ! Tout va bien. Tu n'as mis de la peinture que sur le portant, pas sur les housses. Est-ce que ça va ? Oui. Je vais envoyer un message aux filles pour leur dire que je serai peut-être un peu en retard. Quoi ? Plus de batterie ? Maintenant ? Non ! Attends, où est le portant ? Là, la peinture ! Oui, suivons cette trace de peinture mauve. C'est ici que s'arrête la peinture. Et voilà le portant. Ah, où sont les housses à vêtements ? Oh, vous êtes là ! J'ai vu le nom de votre groupe écrit sur les housses, alors j'ai demandé à Crystal si elle voulait bien les monter aux chambres. Et elle a dit oui. C'est vrai ? Dans notre chambre ? Je dois aller au dortoir. Entendu. On se voit au défilé. Merci, Karma ! Oh, oh, Crystal ! Tu as nos housses ! Oh, tu nous sauves ! Oh. Amaya, salut ! C'est à toi, ça, non ? Ouais ? Désolée. Tu as l'heure ? Oui, il est 5h, moins 20. Oh, oh, je t'en prie, sauve-moi ! Ne bouge pas ! Ok. J'ai fait attention à ce que personne n'y touche. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a matière à écrire un article dans la scène ? Non, pas si je réussis à apporter ces hauts sur scène et à corriger les tenues en 30 secondes. Merci mille fois. Pourquoi tu n'utilises pas le portant ? Je le déteste ! C'est trop cool, je te jure, c'est top niveau. On a énormément de chance de t'avoir dans notre groupe, Amaya. Je le pense, t'assure. Merci. Parfois, je change mes modèles et ma personnalité à tel point que j'en oublie qui je suis. Je ferai n'importe quoi pour que mon travail soit à l'image des gens et que ça leur plaise. Alors je m'efforce constamment de rester naturelle et lucide pour ne pas oublier que je suis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.